Je l'ai pas super mal vécu personnellement Parcoursup parce que j'ai trouvé qu'on était quand même vachement aidés. Juste il y avait des moments assez comment dire frustrants. Du coup l'année dernière j'ai surtout postulé dans des facs, des bonnes facs d'histoire de l'art, genre Sorbonne et tout. Et ensuite dans des écoles d'art appliqué pour des DNMADE. Les premières réponses qui sont tombées, c'était les réponses des facs. Et j'étais choquée plutôt de savoir que j'avais été acceptée dans certaines facs parce que je n'y étais pas vraiment bien intéressée, parce que pour moi la fac c'était la solution de secours. La première fois que j'ai eu ma réponse positive, du coup c'était en pleine classe. Et les résultats étaient à partir de 10h et c'était un jeudi. Quelque chose comme ça, du coup forcément tout le monde était sur son téléphone en train de regarder. J'ai eu en premier une fac d'histoire de l'art. Et après, du coup j'étais contente, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Du coup ensuite je voulais avoir la fac de communication. Sauf que bah, quand j'ai vu où j'étais placée sur la liste d'attente, je devais être 10 000. Du coup j'étais là en mode bon, ok, je pense que c'est mort. Et du coup, comme j'avais pas passé les entretiens pour les DNMADE, je savais déjà que j'avais passé ces écoles. Donc, en fait, j'ai eu que des facs sur Parcoursup finalement. Mes réponses positives sont toutes tombées la première semaine. Du coup, j'en ai eu 4, je crois. J'ai pas du tout connu le fait d'être sur liste d'attente, enfin, en tout cas, via Parcoursup. J'ai juste sur la fac de com, j'espérais peut-être qu'au dernier moment, je puisse l'avoir si j'avais pas mes écoles en dehors de Parcoursup. Et puis bah finalement, j'ai eu mon école en dehors de Parcoursup. Ouais. J'ai eu après le bac ma réponse. Je crois que je l'ai eu mi-juillet pour savoir si j'étais acceptée. J'ai lâché le vœu et de Parcoursup et du coup je suis allée dans mon école. Avec le bac, c'est vrai que ça a été compliqué. Les lettres de motivation, enfin surtout que moi j'ai tenté des écoles d'art, du coup il fallait qu'elles soient différentes à chaque fois. Bah, là par exemple, moi je refais Parcoursup cette année et bah, ça a été un stress aussi. J'ai tenté genre 21 formations, du coup 21 lettres à faire. Les cursus que je demande, ils sont très sélectifs. Du coup, ils regardent les notes, ils regardent les appréciations. Et du coup, c'est des écoles d'art appliquées. Et en gros, parfois, ils ne demandent pas de dossier artistique. Du coup, ils nous jugent que par rapport à ça. Et là, j'ai eu 10 entretiens à passer dans différentes écoles. Donc voilà. Mais en vrai, c'est juste, c'est des gros moments de stress. Et après, ça passe tranquillement.